français. Pourquoi? Eh bien, à cause précisément de ce que seul de son temps Nietzsche envisage comme étant la réussite miraculeuse et brève de l'aristocratie française, qui, dit-il, en effet, représente un miracle extraordinaire, très supérieur même à la Grèce. La dictature, dit-il, de la minorité. Là, tout de suite, des huées s'élèvent. A-t-on déjà entendu quelqu'un prononcer quelque chose d'aussi blasphématoire? Il y aurait eu, dans le temps, en France, et c'est la raison pour laquelle c'est un miracle très bref, miracle grecois, d'accord, mais miracle français, il y aurait eu ce surgissement de très grande gratuité, de dépenses, de souveraineté, sans but. Quelque chose qui ne va nulle part. Bien entendu, sanctions. Sanctions, non pas du peuple, car là, nous sommes dans un problème très grave. Non pas du peuple, mais de ce que Nietzsche appelle tantôt la populace, tantôt la plèbe. Ce qu'il appelle le micmac de la plèbe, en soulignant que désormais, on va s'attendre à voir de plus en plus le fait que la plèbe est partout. Elle est en bas comme en haut. La France d'en bas et la France d'en haut, c'est la même chose du point de vue du micmac. La micmacation est de son temps déjà visible comme devant un jour planétairement, et nous y sommes, devenir universel. C'est-à-dire dans la transvaluation des valeurs, ce qui va en réalité se passer, c'est une plébisation de l'idée même de valeur, qui est la conséquence, évidemment, de la mort de Dieu. Français, donc, dans la mesure où peut-être, et même sûrement, la mort de Dieu, ou le fait que Dieu soit mort, se vivrait particulièrement mieux en français que dans n'importe quel recoin de l'Europe, et où, de ce fait, un dialogue, alors ultérieur, dans lequel nous entrons, avec l'asiatique, se laisserait envisager depuis cette position. En réalité, oui, sans doute, français ou chinois, peut-être. La mort de Dieu, on peut le laisser tranquille, Dieu. Et la question, évidemment, est de savoir pourquoi, par exemple, Voltaire l'a laissé subsister. Enfin, c'est une façon qu'il faut bien considérer comme quand même extraordinairement ironique. Deo erexit Voltaire. Voltaire, l'hommage de Nietzsche est très, très célèbre. Il faut le rappeler quand même rapidement, parce que célèbre, mais pas connu, comme rien n'est connu, il faut quand même dire des choses élémentaires. C'est d'abord la dédicace du main trop humain à Voltaire, pour le centenaire
de la mort de Voltaire, nous sommes en 1878, et ce sont ensuite les déclarations tout à fait enflammées de Ecce Homo. Voltaire, la seule grande intelligence d'Illich qui a vécu avant moi. Donc vous voyez, ça fait quand même un bon. Nietzsche dit, voyons, bon, alors résumons-nous, des esprits libres, Voltaire et moi. Ça décape. Sur le moment, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, comme la folie de Nietzsche est une chose bien entendue, on tient ces déclarations-là comme étant un tout petit peu exagérées. Puis le temps passe. Les choses s'aggravent, l'ignorance monte, en même temps que l'obscurantisme et le fanatisme, et que l'illettrisme. Et tout à coup, ce raccourci demande à être considéré peut-être comme une grande nouveauté avec fraîcheur.